Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et cette semaine nous allons faire un petit tour dans le vieux Montréal. Comme vous le savez si vous êtes abonné à notre chaîne, Montréal Hanté offre des promenades thématiques, une tournée des bars et des enquêtes sur les phénomènes fantomatiques et paranormaux de Montréal. Pour en savoir plus ou pour réserver votre place, suivez les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. La maison Pierre du Calvet est une des plus vieilles maisons de la ville de Montréal, en fait la sixième plus vieille. Elle a été construite sous le régime français en 1725 et son architecture est remarquable, mais son histoire est aussi fascinante. De l'extérieur, la façade bretonne en pierre se compose d'un mur d'un mètre d'épais avec des volets de fer, une haute cheminée, des fenêtres françaises et un toit en pente. La maison dut être bâtie de pierre après qu'une loi fut promulguée interdisant les constructions de bois à l'intérieur des murs de Montréal, à la suite d'un incendie dévastateur en 1721. Le nom vient de Pierre du Calvet, un des personnages les plus colorés de l'histoire de Montréal. Marchand huguenot, il partit pour la Nouvelle-France en 1758 après que son cousin lui ait fourni le capital requis pour acheter des produits commerciaux. Malheureusement, le Lion, son navire, fit naufrage à environ 150 km de Québec. Suivant cette perte, il fut forcé à trouver du travail dès son arrivée. Après moult durs labeurs, il redevient marchand 2 ans juste avant la conquête britannique de 1760. Les nouveaux seigneurs anglais le nommèrent vite juge de paix, peut-être en raison de sa foi protestante. En 1771, Pierre du Calvet acheta le vieux bâtiment de pierre suivant son mariage avec Marie-Louise Jussaume, avec laquelle il planifiait avoir plusieurs enfants. Malheureusement, 2 de ses enfants moururent jeunes et, pour empirer les choses, 3 ans seulement après son mariage, sa femme s'éteint également. Et ceci dans des circonstances mystérieuses selon certains. L'année suivante, Montréal fut envahie par les Américains et occupée par la nouvelle armée continentale pendant la Révolution américaine. Le but de la campagne était de prendre la province britannique de Québec et convaincre les Canadiens français de soutenir la cause des 13 colonies. Et comme l'armée américaine occupait Montréal en 1775, Pierre du Calvet se fait remarquer en soutenant ouvertement les envahisseurs. Non seulement offrait-il des vivres, mais il animait des rencontres dans sa maison entre les chefs américains comme Benjamin Franklin. L'occupation américaine dura à peine 188 jours et les autorités britanniques ne tenèrent pas du Calvet en estime une fois que la ville fut débarrassée des envahisseurs. Accusé de trahison, il fut emprisonné 3 ans et sa maison fut saisie par le gouvernement britannique. Il passera le restant de sa vie à tenter sans succès de prouver son innocence auprès des Britanniques tout en essayant simultanément d'obtenir une compensation auprès des Américains pour son soutien. Il disparut en mer en 1784 quand le Shelburne, le navire qu'il transportait de New York en France, sombra dans l'Atlantique. Au fil des ans, sa maison a changé plusieurs fois de main. Même Jacques Vigée, le premier maire de Montréal, y habita. En 1960, le vieux Montréal était presque une ville fantôme. Une légion de fermiers abandonna le marché de la place Jacques-Cartier à la suite de la fermeture du marché Bon Secours. Le secteur du vieux Montréal devint désert et comptait 200 résidents à peine. Les défenseurs du patrimoine qui essayaient de conserver le quartier qui était dans la mire des démolisseurs, travaillèrent fort à le faire désigner quartier historique. Grâce à leur effort, les plans pour une autoroute surélevée passant par le Vieux-Montréal furent abandonnés et l'autoroute Ville-Marie fut construite plus au nord et sous terre. Quand les responsables furent finalement convaincus que le Vieux-Montréal était digne d'être conservé, le gouvernement du Québec le désigna quartier historique en 1964. Entre-temps, en 1962, Jean-Jacques Trottier et Gertrude Beaupré-Trottier décidèrent de s'impliquer pour résoudre le problème du patrimoine. Ils relocalisèrent leur famille de 7 enfants
Dans la maison du Calvet, ils fondèrent le restaurant Les Filles du Roi. Le meublant avec de belles antiquités telles que des chaises d'osier dont les coussins étaient fabriqués avec des pantalons de garçon. Le couple orna les murs avec des portraits de famille. Leur fils Gaétan Trottier et son associé Ronald Dravinier achetèrent plus tard la maison Pierre du Calvet afin de garder l'édifice dans la famille. La maison Pierre du Calvet est devenue un hôtel intime de 9 chambres qui accueillait les réceptions privées, les rencontres d'affaires, les mariages et les escapades romantiques. Son restaurant gastronomique Les Filles du Roi se spécialisait dans la cuisine québécoise. L'hôtel avait un beau décor intérieur, incluant maintes antiquités, et ses chambres étaient luxueuses. On y trouvait également une serre victorienne où 3 perroquets bilingues vivaient en cage, Pedro, Chico et Coquette. La maison du Calvet était populaire auprès des vedettes comme Richard Gere, Sophia Loren et Brad Pitt, qui a résidé en 2007 lors du tournage à Montréal de L'étrange histoire de Benjamin Button. Si les chambres se louaient à près de 400 $ la nuit, la maison Pierre du Calvet offrait une expérience inoubliable aux visiteurs qui voulaient tremper dans l'histoire de Montréal et même voir des fantômes. Diverses sources suggèrent que l'auberge était hantée et que des apparitions de Marie-Louise Jusson et d'un brasseur de cartes vêtu d'un habit du 19e siècle ont été aperçues à diverses occasions. Des invités rapportèrent entendre des voix désincarnées, même des conversations. Un autre cas parle d'empreintes profondes apparues sur le lit nouvellement fait de la chambre numéro 1, comme si quelqu'un y dormait. Des lumières anormales ont été également photographiées dans la même chambre. Une étrange présence féminine, crue être celle de Marie-Louise, a été ressentie dans l'auberge. Certains sentaient un fantôme débonnaire, tandis que d'autres le sentaient un peu plus menaçant. Marie-Louise était souvent vue et sentie dans la chambre numéro 3 où une invitée s'est plainte d'une femme assise au bord de son lit toute la nuit, la privant de sommeil. En 2016, une femme nommée Katrina, coach en santé holistique de la région de San Francisco, réserva une chambre dans la maison du Calvet après avoir appris qu'elle était hantée. Son blog indiquait qu'elle avait lu certaines critiques avant de réserver et que ce qui l'avait accroché était les histoires de fantômes. Elle disait aimer communiquer avec les esprits de l'au-delà et qu'autour de 7 heures, un fantôme lui est apparu. Il faisait noir dans la chambre et elle a senti quelqu'un saisir doucement son bras et le tenir. Sentant la présence, elle commença à paniquer, mais était incapable de bouger, crier ou même ouvrir les yeux. Elle ne sait combien de temps s'est passé, mais éventuellement elle a pu bouger son pied, ouvrir ses yeux et se mettre debout. Elle demanda à son mari d'ouvrir la télé pour qu'il y ait un peu de lumière dans la chambre. Elle était pas mal ébranlée, mais s'est forcée à dormir en ayant réellement besoin. Selon une autre cliente qui laissa une critique sur TripAdvisor, la chambre numéro 3 serait hantée. Il écrivit qu'après s'être enregistré, ils ont été menés à leur chambre que Brad Pitt venait de quitter. La chambre était au premier avec un beau lit genre très antique. Elle se sentait comme une princesse. Ils sont restés 3 nuits et la deuxième nuit, elle s'est réveillée pour découvrir au pied du lit un homme vêtu d'un style fin 1800 assis à la table brassant des cartes. Cette présence fantomatique est notée dans Haunted Canada numéro 5, dans lequel on trouve une version de l'histoire écrite par Joel Sutherland, intitulée Step into the Cold. Sutherland mentionne que le personnel a vu d'étranges choses et senti une présence fâchée dans les chambres et les couloirs. Il pense que le fantôme de Marie-Louise Jusson interagissait autant avec le personnel et les invités qu'avec les perroquets de la serre. En ce qui a trait au personnel, Solène décrit un homme qui, travaillant une nuit dans le restaurant de l'hôtel, sentit la présence de Marie-Louise Jusson pendant qu'il nettoyait seul. Au début, l'esprit lui semble assez gentil et il essaie de l'ignorer, ne sachant pas qu'il le fait à son péril. Le fantôme exige de l'attention et l'employé sent que l'entité devient de plus en plus menaçante. Éventuellement, la compagnie invisible devient trop oppressante pour qu'il puisse continuer ses tâches. Alors, il vide ses poumons en lui criant de ne plus l'irriter. Visiblement, Marie-Louise comprit le message et, à partir de ce moment-là, le laissa en paix. En ce qui concerne les visiteurs, toujours selon Sutherland,
Bien que le fantôme terrorise souvent les clientes, elle est pleine de charme avec les hommes et leur fait souvent des clins d'œil. Il croit que le fantôme de Jusson garde un œil sur les visiteuses et l'autre sur les hommes. Il écrit que les hommes qui restaient à l'hôtel ont vu son fantôme entrer dans l'ombre pour leur faire un sourire et un clin d'œil, alors qu'aux dames, elles tournent le dos. L'explication serait que Marie-Louise Jusson, de son vivant, n'aurait pas été une épouse très fidèle à son mari. Selon les recherches de Solon, des rumeurs circulaient à Montréal disant qu'elle s'entendait bien, trop bien, avec les invités mâles de son mari qui passaient la nuit chez eux. Ces rumeurs atteignirent l'oreille de Ducalvet et infectent son esprit. Certains croient que sa jalousie se saisit de son âme et que, dans un élan de rage, il tua sa jeune épouse pour ses péchés. Toutefois, Sodonel mentionne aussi que parfois les perroquets colorés de la serre confèrent avec les fantômes. Les trois oiseaux étaient connus pour accueillir les invités qui passaient par là en pépiant leur « allô, allô ». Sutherland indique que leur accueil ne ratait jamais de toucher le cœur de ceux qui les entendaient, excepté quand la serre était vide et que Pedro et Chico étaient entendus en train d'accueillir des visiteurs invisibles. Il croit que les bêtes sont plus sensibles à la présence des défunts et les employés de l'hôtel s'assuraient de bien éviter la serre quand ils les entendaient parler à une pièce vide. Avec tant d'histoires d'activités paranormales, la maison de Pierre Ducalvet montre tous les signes d'une maison hantée. Toutefois, le propriétaire de l'hôtel, Gaétan Trottier, n'appréciait pas toutes les rumeurs et niait que la maison soit hantée, car il ne croit pas aux fantômes. Il affirma qu'aucun esprit hantait son établissement, mais plutôt que le bâtiment irradie de la magie à cause de ses murs de pierre dense. Parlant aux nouvelles de CBC en 2014, il précisa que la maison est très magique, qu'en y entrant, on sent une atmosphère particulière, comme si on était accueilli par une personne. Fatigué peut-être des histoires de fantômes entourant leur hôtel, la famille Trottier décida de vendre la maison Ducalvet au prix de 9,5 millions de dollars en 2014. Après 55 ans à en être propriétaire, ils maintenirent que l'auberge était devenue difficile pour la famille Trottier. Enfin, sa vente a été conclue en 2017, après plusieurs années sur le marché. Depuis, la propriété a changé de main à quelques reprises. Quoi que décident d'en faire les nouveaux propriétaires, une chose est certaine. En achetant l'ancienne maison Ducalvet, supposément infestée de fantômes, ils ont eu beaucoup plus que prévu pour leur argent. Voilà qui était notre petit aperçu de la maison Ducalvet. Si vous y avez résidé et avez fait des rencontres étranges, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimez la vidéo, vous abonnez et activez les notifications pour ne manquer aucune capsule. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.